La vidéo ça, nous allons ensemble avec la fonction date. C'est une fonction vraiment intéressante qui permet d'afficher le actuel ordinateur là, date à l'ordinateur là, tout à afficher mois, jour, année, etc. Et nous allons capable ajouter année, son année qu'on a déjà, et on va réduire tout. Nous allons toute fonction ça avec la fonction date là. Maintenant, on dit par exemple tout à afficher date actuelle ordinateur là. Ça l'a fait. On a mis dans cellule. On a mis dans cellule ça là. On a payé égal. On a payé tout dit. On fait parenthèse fermée. Press enter. Après là, libre en pound ça ou bien en dièse ça là. Parce que cellule là trop petit ou font ça agrandir automatiquement. On voit que libre ou normal. On nous a affiché le ensemble avec date là. Mais pour le A, vous tapez égal now. Ouvrez parenthèse, fermez enter. Ok. Pour erreur là, on a regardé ce qui passe. On fait là. Égal now. Ouvrez parenthèse enter. Alright. Ok. On voit là, il va où. Mais date là, là. Il va où le A là. Maintenant, on dit que nous avons affiché seulement. Ok, là, c'est difficile pour nous dire qui ça moi là, qui ça qui joue. On regarde qui ça dit. Quand on regarde afficher, plus facile, on tape égal. Pour moi, on tape month. Ok. Ouvrez parenthèse, vous cliquez sur la date là. Vous faites une parenthèse, vous faites enter. Vous pouvez retourner mois bas ou là. Month, là, c'est 11e mois. Si nous avons besoin de retourner en juin, on tape égal. Tape day. Yep. Et puis, vous cliquez sur date là, on va retourner. Après, je viens jouer en bas, donc 13 ans là, on dit 13. Ok, je dis à 13, 11e mois. Et pour date là, c'est here. Pour je retourner date là seulement, vous tapez here et enter. Yep, voilà. Il va ou mes date là, il va ou juin, il va ou moi, à quoi m'utiliser là, sur ordinateur là. Aussi simple que ça. Alright. Maintenant, on dit que nous t'aimons ajouter jour sous date nous là. On dit nous t'aimons ajouter 5 jours sous lui. Automatiquement, dans vos 18 là, on a vérifié. On a les égal. Pour nous ajouter, ça nous fait. On a tout simplement cliqué sur cellule ça qui est date là. Et puis nous additionner le nombre de jours que nous t'aimons additionner avec là. Aussi simple que ça. Enter. On voit l'album est 18, il était 13, mais j'ai 5 jours sous l'île 18, 11 mois 2019. Maintenant, vous pouvez faire ça pour moi tout. Ok? Vous pouvez faire ça pour moi. Mais pour faire ça pour moi, vous utilisez une fonction qui c'est edit. Alors, regardez vous. On dit par exemple, on a égal edit. Ouvrez parenthèse. On dit pour date ça va bien là. C'est date moins restart date virgule l'idim nombre de mois que je vais ajouter. Je vais ajouter 2 mois. Je dis 2 mois. Enter. Voilà, je vais mettre un format normal. On va mettre un format date. On va mettre le short date. Alors, voilà, nous avons gagné combien? N'oubliez que nous avons gagné 13, 11e mois. 2019, ajouter 2 mois sous lit, et bien l'ivin ba nous automatiquement 2000, après le premier, on met le 13, regarde ça, yep, premier mois 2020, donc là ajouter 2 mois sous date que nous avons déjà. Ok, second ça, guys, on dit par exemple, on a ajouté année, on va faire ça pour année. Hein? C'est toujours avec edit là. On va regarder comment on a fait. Tapez égal. Edit. Edit. Start date. On dit 13 mois 2019, virgule. Le nombre de mois, c'est toujours même bas là. Pourquoi ajouter? On dit. On ajoute 2 ans. Ah bien, 2 ans, c'est 24 mois. Donc, on tape 24 automatiquement. Ok. 2 ans. 24 mois. Enter. Voilà.
il va comme ça. Des fois, quand tout va normal, ou quand je viens là, on change en format date. Et puis, là, normal, là, voilà. On dit 11e, on dit 11. On dit 11e mois, le 13 2019. Là, on vient 11e mois, le 13 2021. Parce que m'a ajouté 2 ans, c'est 24 mois sous date que je me dégaine déjà. Ok, guys, on pour une prochaine vidéo.